L'entraînement est mieux comme ça. Lituanien. Non mais franchement, je trouve ça chiant. Oh, ce qui te rend dingue, j'adore jouer chinois contre Bourguignon, j'adore ce match. Ouais, non mais au moins ça mise un peu plus. Au moins ça mise un peu plus, là on voit tout le temps les mêmes unités, les mêmes cives. Bah tu peux prendre autre chose. Attends, avec Maga, tu fais la maison avec tes 4 villageois? Non, 3 villageois. Moi je fais 2, 1 et 1 qui commence le mouton. Hein. Moi je me pose pas de questions, je fais mon start et puis voilà, laisse-moi tranquille. Ah voilà. Oh, ouais, non, moi j'optimise. Moi, je suis un... D'ailleurs, je me tâte à faire un start avec genre, il y a que 2 villageois au début qui font les maisons. Et après, un des deux fait la deuxième maison. Ah ouais, mais en fait, là, t'essaies d'optimiser des trucs. Optimise ton jeu, Margot. Bam! Non, mais je sais que c'est une optimisation vraiment minuscule, tu vois ce que je veux dire. Mais dans l'idée, je me dis qu'avec Maya, tu sais, t'as toujours envie de cliquer un petit villageois avant avec Maya et tu peux tout juste pas. Je me dis qu'il y a peut-être moyen. Ah là, je sais de quoi tu parles, gamin. Ah ouais, on sent que Marine Lord il a joué la méta une archerie full wall avec sur Maya. Ton jeu, parce que t'es sacrément nul, donc c'est pas un petit détail qui va te changer ta vie, ok? C'est ça. Ah mais je sais que c'est un petit détail, mais moi je vous le dis. Y'a pas quand, que détail qui est petit chez toi. Ouais, mais à la fin, les détails comptent. C'est bon. C'est un jeu de détails, c'est un RTS, nous sommes au top niveau. Contrairement à toi, Margot, qui est un peu plus bas. Rassure-moi, tu te crois pas au niveau de Cito quand même, mon frérot là. Mais non, mais voilà quoi. Oh bah, je sais pas, j'ai cru que tu parlais avec un nous. Moi, je perds pas de map code. Oh là là, la clash, ça clash. Oh le mou. Je perds pas de map code Margot. Voilà, tu t'as déjà perdu contre moi là-dedans en plus, espèce de tâche. Évidemment, en tournoi, notamment important. Important. En même temps, t'as fait qu'un tournoi important. Ok, c'est vrai. Tu verras quand t'auras joué au jeu depuis 5 ans et que tu feras des overdoses. Tu me diras, moi aussi hein. T'as fait pareil sur Starcraft, donc tais-toi. T'as fait pareil sur Starcraft, je suis sûr, plusieurs fois. Je fais des overdoses dans ce jeu, j'ai failli mourir. T'as déjà fait des overdoses Starcraft, mon petit Marine Lord? C'est quoi? Des overdoses Starcraft? Ah, régulièrement, parce que Starcraft c'est le jeu le plus frustrant du monde, jusqu'à eux. Ah ouais? Pourquoi donc? Ce jeu, tu peux jouer toutes les cives. L'autre jeu, tu es bloqué sur une cive. Des fois, ta cive est pas bonne. C'est catastrophique. En vrai, c'est pas horrible des fois d'avoir des match-up comme ça. Ah, c'est horrible. Bloqué, c'est pas là tout. Ouais. C'est peut-être que pour le coup, ah ouais, il y a peut-être trop de cives. Ah ouais, ça change rien. C'est nul. Si tu peux en jouer la majorité, c'est bien. Ouais. Je dirais, ah oui, il y a peut-être trop de cives et Starcraft, il y a clairement pas assez de cives. Non, il y a pas trop de cives en vrai. Du moins qu'elles sont équilibrées. Ouais, mais il y a des joueurs qui disent qu'il y a trop de cives, trop de connaissances et que ça décourage certains joueurs à venir. Non. C'est peut-être non, c'est une fausse erreur. Je peux comprendre un peu. C'est un faux truc. Toutes les cives ressemblent vachement, tu vois. C'est pas comme dans Starcraft. Genre, les cives sont. Enfin, c'est complètement différent, tu vois. À mon avis, ceux qui disent ça, c'est ceux qui doivent venir d'un Starcraft avec 3 cives. Oui, mais c'est tellement différent. Starcraft, c'est plus dur d'apprendre les 3 cives que toutes les cives d'Age of Empires, je trouve. Je sais pas, je connais pas du tout Starcraft, donc je peux pas trop comparer. Apprendre 2 cives, apprend plus de temps que d'apprendre 35 cives d'AE, c'est sûr. Bah c'est même pas les mêmes mécaniques. Sur ce jeu, tu peux arriver à apprendre les 35 cives. Sur Starcraft 2, y'a aucun pro qui a déjà réussi à parfaire au niveau avec 2 cives différentes. C'est pas possible, c'est trop dur. Oh, mais c'est tellement différent, oh là là. Et moi je me souviens que Roman Rebel, on s'est foutu d'un fameux cockpit de ma part. Mais ça trace des traits bizarres aussi là. Attends, par contre ça. Je repère que même les plus grands joueurs font la même chose. Oh non. Il a Maya, il full wall. Bah mec, il enlève le random, ça fait deux fois. Deux fois je le joue, deux fois il enlève le random, c'est bon. Tiens d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Il joue tryhard, donc je joue tryhard. Il est encore là, Marine Lord hein, Non, il est parti, il cherche un truc à manger. Oh non. En vrai, avec Maya, t'es tellement bien quand tu fais ça. Du coup, ma base ça ressemble à rien. Ouais, mais bon. Ah, la forme de la minimap. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Non, j'aime pas ces forêts là, regarde. Y'a un arbre d'écart à chaque fois là. On se dit, lui, tu vois, c'est pas un waller quoi. Il trouve pas le wall facile. Hein. T'as vu ma forêt, j'aime pas là. Comment je fais mon camp du chou? Putain. Ouais, j'avoue que t'as des forêts de merde. Bah go non, faut en encastrer deux dans le petit carré. On dire qu'il va up. Ça y a un truc qui arrive je crois. Non. Oui. Mmh.
Regarde Maya, t'as fait ta wall toute ta base et tu peux cliquer tranquille en 22 pop, enfin en 22 villageois en temps normal. Alors que t'as 6 villageois au wall, tout lâche sombre. Incroyable. Ouais, c'est ça, je vous. Merde, merde, merde. C'est quoi, est-ce qu'on prépare des strats à la con, genre on va faire des archers sneaky. Vite, 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 wall. Non, mais sérieusement, c'est... pourquoi vous marquez. Je l'avais construit la palissade. J'avais mis un coup dessus, quoi. Ah merde, j'ai pas fini la maison. Bon, tant pis. Le summum du sneak, on sneak même les bâtiments. Non, on va rester chez nous en fait. Sinon, il va être full wall. C'est pas les salles de la chambre. En vrai, t'aimes pas avoir un scout à l'intérieur. Bah, c'est chiant. Hein. Tellement chiant. Merde, par contre, j'ai oublié. Parce que ma maison, c'est pas fait, c'est pas fini là en fait. What the fuck? Tu savais que, qu'une araignée, certaines araignées, elles pouvaient muer? Ah, mue? Ouais, ah, c'est mue. Bah, merci, Subsonic. Je savais pas. Ah oui, mais oui, les araignées qui muent, oui, j'ai déjà vu. J'ai vu ça. C'est impressionnant, en vrai. Hein. Je réponds avec un peu de retard, mais... Quand on va la finir cette maison, ça me fait mal au cœur. Bah, je sais pas si toutes, mais là j'ai une migale. Donc, je me dis une migale, c'est sûr. Ça me fait bizarre de me réveiller si tôt. Je sens que la journée va être méga longue là. Ah, merci, Armatu, pour l'abonnement. Non, non, Ratrico, j'ai vu que c'était justement pour refaire leur bien, leur défense, leur poil urticant. Moi, j'avais écrit ça. Enfin, peut-être qu'effectivement, il y a aussi cet aspect-là, je sais pas. Moi, j'ai vu que l'aspect renouveler la défense un peu. Ah ouais, ok. Ok, ok. On va voir ça aussi. Tu vas l'avoir, ce coup de courage. Non mais d'ailleurs j'aurais dû le trap, mais je sais pas, c'est mon villageois qui a marché sur la palissade au lieu de la faire. Non 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 non, c'est aussi pas pour des renouveler leur défense, bah, je viens de voir ça sur un reportage à l'instant. Donc, je pense pas qu'ils disent que des conneries quand même. Mais c'est peut-être aussi lié à la croissance, effectivement. Oh, ce sneak des enfers, regardez-le. Oh non, t'as vu. Non, c'est un truc Facebook un peu. Enfin, je pose Facebook, mais c'est tu vois le genre de reportage quoi. Tu pars egg ou tu pars archer là, mon sito? Les deux. Et à l'âge des châteaux? On verra. Quoi? Attends, après, hein. Merci. Putain, on m'apporte trop de bouffe, je vais devenir gros. Je vais faire un peu de sport. Ouais, je compte en faire cet après-midi.
Mais non. En vrai, en même temps, il fait tellement chaud, c'est tellement l'occasion, ouais, genre. Même je moi, aller, je vais aller courir. Ouais, c'est incroyable. Je vais aller en forêt, cet après. Courir en forêt. En forêt, ça donne envie. Moi, je vais aller courir au milieu d'un parc urbain. Sur du béton. Sur la pollution. Ça donne envie. Ah ouais, ça donne envie. Je vais aller à la fois avoir une meilleure santé et en même temps m'intoxiquer. Parce que c'est pas beau. C'est ça. Eh, Marine Lord, tu fais du sport un peu des fois ou pas? Ouais. Ah ouais? Tu fais quoi? La boxe style. Je mets des grosses droites à ton père. Paf! Ah, c'est pour ça qu'on t'appelle l'hypercule. T'as mal éduqué ton fils? Paf, hypercule. Non, c'est hypercule. Tu sais pas jouer à eux, ton fils, il est con comme il t'a. Paf! Eh oui. C'est pour ça qu'il revient avec le nez rouge tous les soirs. C'est pas la colle, non? C'est hypercule Lord qui est encore passé devant là. Eh ouais! Complètement heureux, votre copain là. Votre copain. Il est complètement heureux, votre pote là. Ça devient fou, j'ai pas. Comment on va jouer ce match-up si tôt là en mid-game? On va jouer Eagle, c'est ça? Moi j'aurais parié sur Eagle, perso. Ouais. En tout cas, il a déjà sorti les tirailleurs là. Même si Maillard est incroyable, hein. Franchement, les archers, je trouve ça dur contre. Voilà, j'ai château, franchement. Bah, contre Lituania, j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de faire archer. Ouais, c'est ça, si tu joues contre des tirailleurs qui vont plus vite que toi. Eh oui, Bordico, tu me connais, toi, ça se voit que t'es un fan. Merci, ma gueule. Coachais pas Coca avant, mais si, je le coach régulièrement parce que c'est un abruti, un arriéré. Faut bien un peu d'aide pour ce gogol. Un peu d'aide problème, pour ce gogol. On l'aime beaucoup, Coca. D'ailleurs, il a pas joué un peu à. Il jouait pas un peu à ouais, lui avant. Bah, si. Et pourquoi il vous continue pas là? Parce que c'est un jeu de merde. C'est une future pépite à eux. Dis-lui quand même, c'est mieux que StarCraft. Van Gogh, il me reconnaît pas, il me reconnaît au paf. C'est pas la voix, c'est au paf. Voilà, franchement. Double caser, de plus de petit archer. On va sauter toutes les upgrades, ça a coûté très cher. Tu sais, Shenchenko, si tu veux me battre, peut-être que t'arrêtes de jouer ta civilisation de merde là. Ce serait bien que tu te mettes à une vraie civilisation. Regarde les tirailleurs lituaniens, je déteste ce jeu, regarde. Putain! Ramène tes aigles, disons où les aigles en putain ils sont partis. Mais ils sont. Il va te. Oh là là, il va te faire du. Et encore, il te fait pas du move. Du move machin là. L'attaque move, hein. Attaque move. Ouais, voilà. On a fait crossbow plus 2 pour que dalle. Limite, annule ton plus 2, non? Je l'ai supprimé, ça m'a saoulé. Je l'ai supprimé, ça m'a saoulé. Oh non! Oh non! J'ai envie de pleurer, il a mal au cœur. De toute façon, archer c'est trop cher. On était tellement bien sans faire des balles d'archer. Trop cher. Mais ouais, je pouvais faire crossbow plus 2 avec ça. Je mettais la pression sur son or. Mais putain, ces tirailleurs ils vont trop vite. Regardez, regardez ces gros débiles. Ils vont plus vite que Musical. Comme dirait Marseille, vroom vroom, bande de salopes. J'avoue, regarde, c'est des MotoGP le truc. Ça m'énerve. Dans la virage, ils sont collés au sol. Je vous l'ai dit, la cif que je déteste jouer en face, c'est lituanien. C'est trop fort. Bah, je le donne pour le lituanien, c'est tellement complet. C'est tellement pété, regardez. Et si jamais tu vas en late game, ils ont les tirailleurs et les lancers. Ouais, j'ai toujours pas tué, regarde rien. Mesdames et messieurs, lituanien, top 2 du jeu, hein. Derrière chinois, évidemment, mais top 2. Non, pour moi, chinois, c'est pas. En late game, c'est pas si bon. Hein. Putain, mais là, bonsoir, en late game. J'étais trop bien dans la game. La game était presque win en fait, si j'avais mes crossbows chez lui là. En fait, la game était presque win. Mec, c'est pas grave, si on se focus, on y retourne. Ouais, mais ça me saoule. Y'a quoi c'est vrai que c'est pas perdu. Dis-toi que c'était gagné en temps normal. Mais bah ouais, c'était totalement win. Tu travailles ton mid et late game du coup. Tu savais que t'es coach lituanien. Tu as appris, tu as abusé. Bah ouais, mais regarde, ils sont sortis des murs et ils ont fait. Mais de toute façon, regarde, ton but en ladder c'est de t'améliorer. Dis-toi comment tu travailles le mid et late game, tu vois. En fait, Slam il t'a fait une fleur. Faites un coup. Oh mon le meilleur! Putain, j'ai même plus. Oh! Avec son moine qui prend les petits reliques tranquille. Oh my god! Il l'a déposé, ouais, bah je peux pas. Je peux pas l'empêcher, hein. Bah il va avoir 40 reliques avec lituanien, il a une bonne écho. Ça semble. En vrai, il a bien joué au niveau des scouts. C'est vrai qu'il y a des scouts, t'as voulu chasser pour pas que justement il défende les reliques, mais. Ouais, mais bon. Et là, il a bien c'est joué. C'est que hein. Je l'ai bien joué, mais quand tu réagis contre les Eagles, contre les tirailleurs, c'est trop tard en fait.
Bah voilà, aussi on peut se dire que t'as peut-être fait l'erreur de sortir trop tôt avec les archers. Bah tu sais non. Tu sais qu'il y a des tirailleurs litux, c'est super fort, je sais pas. Qui avait des gars des pigeons qui... Converti. T'avais des pigeons hors de... Je sais plus comment on dit. En position. Regardez sa tête. Ah, il est vraiment pas content. On dirait à mon chien. Il est pas content. Quand je vole son dos, il fait la même tête, c'est incroyable. Ça aussi c'est chiant. Oh non, à chaque fois tu vois le moine qui s'en va et tu peux jamais l'engage. Mais regarde, ça me casse. Quelle histoire. Oh Paul. Attends, est-ce qu'une relique elle peut rester sous la grille et bloquer la porte? Oh, ça serait incroyable ça. Regardez-moi ce micro nerd, il a censé le micro un truc, ça a complètement enrayé, il a pris des billets. Oh my god. Bon, faut pas qu'on fasse d'autres forums, on va faire ça. Ok, on joue au lit. Attends, mais il a déjà... Tu prendras pas cette relique. Diversion, cours. Converti. Pour ramener la relique, ouais, même si on meurt, c'est pas grave. Non mais qu'est-ce, oh que, non. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh non, Jean-Paul is a goner. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est un Jean-Paul. Pas toi Jean-Paul. Je vois la pétanque avec les frérots. Ah non, non. Il est parti. C'est un prêtre, il joue pas à la pétanque. Mais pourquoi un prêtre pourrait pas jouer à la pétanque? Peut-être que le prêtre il va pas se prendre le ricard avec. C'est des pitbulls qui jouent avec. Il a rejoint papa Johnny, Jean-Paul. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu comprends pas Margot? J'ai pas entendu, dis-moi. Je disais que la pétanque c'était trop grosse boule pour les prêtres. Ouais, on peut faire des trucs un peu plus éducatifs, si tu vois ce que je veux dire. Que Dieu nous protège. Oh Bruce Chung, tu vas te calmer gamin. Prends le relique à droit. Ah, salut boss. Tu peux pas changer ce con. Ah ouais. Allez, c'est l'heure du cassage de gueule là. Ça passe ou ça casse. Et je sens que ça va casser. C'est l'heure de faire la surprise, regarde. Va me tirer dessus avec tes scorpions. Ramène ton scorpion, imbécile. Pardon. Ouais, effectivement, ça marche bien la diversion là. Je le reconnais ça. C'est un plan qui fonctionne bien. Hein. Ah ouais, si t'arrives à rentrer dans son écho, ça peut être ok. Non. Regardez, ils ont 40 plus 3 d'attaque là. Oh bonne mère, oh là là, va y avoir. Bon, ça va casser les frérots, je reconnais. Putain, c'est une bonne fight pour moi ça. Mm-hmm. Je vais le découper là. Oh non, il a perdu. Oh non, Slam, oh non. Rigolez pas. Oh. Marie-Laure, t'as vu le message de Shinchenko Pro dans le chat? Putain, c'est barré. Converti! En vrai, t'es bien, il a un peu fait la boulette là. En vrai, est-ce qu'il a besoin d'engage comme ça? Je suis pas sûr, hein. Non, mais il a cru que ça allait être une bonne fight. Bah, moi, je pensais qu'il aurait mieux trade. Franchement, avec les reliques et tout. Oh, Shinchenko, c'est un coup bas ça. T'as vu ce qu'il vient de faire, hein? En parlant de calme-toi, Shinchenko, la dernière fois que t'as joué contre moi, je crois que c'était au tournoi étudiant là, 2v2. J'étais wall ton scout, frérot, au milieu de 3. Oh là, la gamin. T'as pas l'air con quand t'as vu ton scout? Si? Ah si, t'as l'air con. Non, je crois qu'en plus je m'étais foutu de sa gueule dans le chatting game. Ouais, il avait pris coréen, c'est ça? Quel idiot. Ah non, il avait pris éthiopien parce qu'il porte pas ses balls. Hein. Quand il joue face à des vrais joueurs, il prend des vrais cibles. En plus, il porte pas ses couilles, il me casse ses couilles tous les jours pour que je prenne coréen et lui non. Ah, bravo, hein. Rien de positif ce joueur. Quel enfuir. Non, mais sinon, il était bon là, non? Bah, en fait, le rouge il a fait une engage immonde. Ça va le moment de tuer le monastère là. Je suis là, je agree avec les personnages. En plus, t'as des moines à côté. Tu peux tu lui voler là. Tu lui voles tout. Tu lui voles tout. Tu lui voles tout.
Et là, il peut faire se concentrer sur l'or, ce qui est une très bonne option aussi. Hein. Que l'or, en vrai, franchement, incroyable. Ouais, je sais pas, il y avait pas un or dans le bac. On ne le saura jamais, parce qu'on a mal scout la base ennemie. Ouais, t'as un or forward, il y a un or dans le bac, oui, mais c'est pas la fin du monde. Ouais, bah, si tu lui pêches son or forward devant, oh, c'est Scorpion qui l'a fait. Alors que là, si tu vas sur ses reliques, je peux te dire qu'il va réagir instant, le frérot. Il va full investir. Hein. Très bien, mais. Enfin, on peut le prendre, c'est bizarre, ouais. Ouais. Bon, t'as vu tout le siège qu'il avait dans le bac, le frérot, hein. Ouais, ça fait. Ah, mais là, t'en vois, hein. On voit du pâté. Non! Oh là, y'a tout qui tombe chez l'adversaire. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu les as montré chez lui! T'es totalement con! Oh non! Mais je comprends, il est pas en forme en ce moment, sitôt, c'est pas possible ça! Ouais, un shoot de Mangono et ça rentre rien dans la game là. Oh, tu fais un shoot dans les scorpions, il fait goldé. Shoot et delete! Delete! Non, non, non. Oh non! Moi j'allais jamais, je suis vraiment pas un mec comme ça. Ah bah là, il délétait, il en prenait deux de plus. On va voir si c'était rewards ou pas. Franchement, j'ai presque envie de dire oui vu qu'il suicide tous ses knights, mais. Suicide. On voit les knights sur le scorpion. Oh, on voit les knights sur le scorpion. Oh, il n'en faut pas les knights sur le scorpion, il est mauvais, la micro est pas bonne que la Sito. C'est pour ça que je préfère Bubble Rum. Ah, Bubble Rum, c'est plus la micro nord que Sito, hein, y'a pas à dire. Oh, t'aurais pu délétre le TC en tirant dessus. Un dernier boulet. C'est toi le dernier boulet. Je suis trop fort les knights lituaniens. Il faille dépiquer, mais il fight bien. Putain. Après tu masses pas, hein. C'est un peu de ta faute là, t'envoies au bon bout. Hein. C'est facile des fois, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je masse? Je suis en train de push, t'es débile ou quoi? Bah non, mais je sais, ok, t'es en train de push, certes, mais tu te fais pousser parce que tu peux pas masse. J'ai pas dit que c'était de ta faute, j'ai juste dit que c'est pour ça que tu te fais repousser. Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, regarde. Ils ont 40 000 d'attaque. On savait, hein. Oh non, un nab. Oh non, il nous a mis cher, Brian Lord. Oh non, il parle pas de nous, je pense. Il oserait pas un nab. C'est un collègue. Un collègue. On a pris un peu cher, mais c'est pas perdu, hein. Clairement pas, non. Il a beaucoup investi, il a peut-être pas une si bonne écho que ça en arrière. Ouais. Ouais, bon, il est pas super bien. Ouais. Ces knights ont trop d'attaque. Oh là là là, il est rentré. Ouais. Oh non, t'as tué la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Un château. On tente de ramasser, puis on tente de prendre un château sur la colline. On attend de prendre la colline. Oh ouais, là là, ce riding il va faire mal. Ça va faire très très mal. Comment ça va mal au cœur là. Mais là, je suis obligé d'envoyer tous mes piquets en défense parce que ces trucs ont 40 000 d'attaque. T'avais pas de 3 points à proximité? Ouais, ça suffira pas. Mais l'analyse ne suffira pas. T'as 5 aimés ou des bottes court là? J'entends des voix lui, c'est pas possible. Change de posture, arrête de geindre. Et le dernier conseil est un peu plus trivial. Arrête de geindre. Comme ça par terre, ça m'énerve par contre. Ah, c'est trop chiant. C'est trop chiant, je perds du temps, tout le temps. Oh, tout le temps, t'en as une par game quoi. Bon, ok, c'est une de trop, mais. Bah là, je sais pas où je te ferme. Sam, il continue à investir pour prendre la colline hein. Je pense qu'il faut investir aussi. Franchement, le prochain push c'est sur le monastère, je pense. Hein. Franchement, le monastère, j'y crois encore. Ouais, peut-être. Hein. Ça ramène 4 moines avec et tu peux en. Ouais, j'avoue, là tu peux en ramener un deck. 4 moines, 4 reliques. C'est enfin, moyen, ouais. Ouais. Moi, je crois que j'aime bien la fight. Parce qu'il a pas fait de combo, rien. Donc, pourquoi pas. Et là, vas-y, go, c'est le moment où t'as fait bon. un peu de pierre. C'est bon, t'as acheté un peu de pierre et tu vas vite foutre ton château sur la colline là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Si t'as cette colline, t'es tellement bueno. Et aussi, tu fixes tes trous en bas et t'es bien là, je pense. Mmh. Oh là 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 là.
En vrai, ton push bélier va faire mal s'il arrive. Non, il va sortir tout. Je fais le brain, regarde. Il pense que je suis en bas. Est-ce que je dois pas investir? Là, à mon avis, lui, il est parti faire un raid avec Snipe. En vrai, il y a peut-être moyen. Il se dit que je peux pas. Non, il va pas faire un raid avec Snipe là. T'es un grand malade. Moi, franchement, vu les nombres de piquets, je me dis, je peux rien faire, je vais à l'attaque. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce 50 piquets? Bah, mec, c'est des Knight plus 4 d'attaque, gros. Ouais, mais bon, s'il va pas très efficace, en plus, il a perdu la colline, dans la merde, frérot. Là. Ouais, non, ça doit être encore plus. En vrai, juste, t'as la colline, tout le monde vient. Mec, je sais pas comment ils sont écho, c'est tellement bizarre comme game. Bah, je sais pas, mais il clique jamais, puis le nombre de Knight qu'il fait, hein, parce qu'il en perd pas mal en raid. Il continue à en faire. Hein. Oh non, il y a un villageois, il a tout buté. Heureux, ça s'est passé comment le push? Bah, il a chopé la colline. Oh, tu peux faire deux châteaux là, Cito. Ouais, je pense que je vais en faire un dans mon écho quand même. T'as pas chopé les reliques? Mais finalement, à gauche de ton écho là où c'était rentré, on va essayer vite le plus sensé. Mal. Non, ici ce sera un bon château là. Ouais. On a toujours pas cliqué un non. Ah, limite, t'as 125 villageois, commence à envoyer pour faire des avant-postes sur les côtés et tout. Hein. Je pense que c'est le timing. Hein. Ouais, il faudrait que je trouve mes ors. Oh là là, ce timing. Oh ah, je suis un bon. Oh non, il a pas bouché les trous. Ouais, mais bon, j'ai perdu 15 villageois là-dessus. Oh. En vrai, tu trades et ta Maya, ça te dérange pas, je pense, de trade un peu. Oh le carnage, regardez. Oh non, je me suis tapé le pire timing. Vraiment, t'es encore 17, hein, en vrai. Oh, rentre dans mon écho, mec. Rentre dans mon écho. Oh le move. Oh non. Attrape-le. Délète la maison et attrape-le. Non. Ah, peut-être, si tu as marché, je pense que t'avais le temps. Ça aurait été incroyable. Ensuite, tu fais 5 monastères, tu le convertis tout et tu le nargues. Ah ouais. Et après, tu fais une danse Fortnite. Ah ouais. Tradition Long Swarm. Oh non, merde. Oh, ça fait mal, ça par contre. Oh là là, mais il clique jamais en fait. Là, c'est le moment où tu mets les deux châteaux. On dans l'écho, là, on lui demande moins d'un coup. On va faire de sa gueule maintenant, hein, le joueur français. Il est où? Oh, le Moonwalk, les Eagles, on l'a vu. On va falloir que je reprenne de l'or parce que du coup j'ai tout perdu ici. Passe fantassin, tu fais quoi là? Tu mets deux châteaux et t'essayes de passer un ou. C'est toi, je prends à toi. Hein. Ouais, ou alors juste deux châteaux pour tenir et tu fais non. Plumes. Je fais des plumes. Faut absolument que je fasse un autre château. Ici peut-être du coup. Ça va être dur à niveau. Hein. Bon, sinon, te casse pas les couilles, fais-le dans, clairement dans tes fermes. Ah, je sais pas où fermer. Ah, le massacre dans mon écho. Ouais. Oh, 120 villes en vrai. Commencer à les 121, on va voir. Je sais pas s'ils ont des bons long swords, les Lituaniens. Ah, ouais. Je pense qu'ils sont champions et tout. Oh, tout ce qu'il perd, oh là là, ça pop ça? Ouais, ça pop, mais à quel prix hein? Je crois, ouh, c'était limite. Ah, je perds beaucoup chez moi quand même. Ouais, tu perds beaucoup chez moi. Ouais, non, en vrai, ça va, t'avais au début du raid, t'avais 125, t'as 118. Bon, ok, t'as refait un peu d'écho, mais en vrai, t'as pas pris trop cher. T'as ce bordel. Tu peux encore faire un château, peut-être qu'à droite, ce sera un bon château là dans les fermes, hein, à droite. Il y a une colline. Bah, stone wall en bas, hein. C'était trop raid, hein. Pour les conseils, moi. Ouais, je fais un château. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est incroyable que je pense à dur au château. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de collines middle. Des châteaux partout, et. Quand il y a tellement, quand genre le middle c'est une grosse colline comme ça, ouais, c'est tellement important de l'avoir que si tu l'as pas, t'as perdu. Je pense qu'au moment de la grosse fight là, où il est Mass Knight, je pense qu'il a arrêté de faire des villes.
pour faire automatique. Mec, genre, regarde là, Sito, il était pas loin alors, putain, on est à deux doigts de le trouver. Ah ouais. C'est le problème, mon problème. Ah.